C'est un état d'âme. La paix, c'est un comportement. Nous savons que tous les jours que Dieu fait aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis que nous avons commencé à présenter les beaux bilans du président de la République, d'autres qui ne sont pas contents de constater cette belle réalisation du président sont à pied d'œuvre pour créer le groupe dans la cité. Je vous invite, camarades, de ne pas céder à ce genre de comportement. Nous devrions à tout moment savoir dans notre vie quotidienne que nos adversaires politiques chercheront à tout moment de salir le bilan du président de la République. Depuis son avènement au pouvoir, il y a eu assez de réalisations. Beaucoup d'infrastructures, des écoles, des centres de santé. Hier, j'allais à l'Assemblée, j'ai constaté avec beaucoup de joie que notre grand hôpital Donka est pratiquement, les travaux de restauration sont pratiquement achevés. Depuis l'indépendance jusqu'à l'avènement du président Fakonde, nous savons qu'il n'y a pas eu de travaux dignes qui ont été réalisés en ce moment. Je sais que d'autres diront oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Mais notre économie est faible. Elle ne peut se renforcer que dans la paix, que dans le travail. Travailler, toujours travailler et encore travailler. Mais on ne peut pas travailler dans la guerre civile. On ne peut pas travailler quand on sait que pour aller au travail, tu as peur de prendre ta voiture, tu as peur d'emprunter une route. Il est extrêmement difficile d'aller au travail. Et même si tu vas au travail, tu as peur de revenir à la maison. Quand tu es à la maison, tu as peur que tes enfants aillent à l'école. Tu as le souci que tes enfants reviennent à la maison. Donc, camarades, nous allons vous encourager. Nous savons que ce n'est pas facile, car il y a assez de provocations. Il y a assez de provocations. Nous sommes des humains. Aujourd'hui, il y a eu des violences à Kipé. Tout simplement parce que d'autres sont venus se venger parce qu'ils ont subi des torts. Ils ont eu des victimes dans leur famille. Et c'est ce travail, c'est ce comportement, c'est cette action permanente de coup et de contre-coup qui fera, qui va finalement créer un climat de guerre civile dans notre pays, que Dieu nous en garde. Camarades, encore une fois, nous sommes sur la bonne voie. La démocratie n'est pas facile. Si nous étions dans un parti unique, et je crois que de telles choses ne se développeront pas. Mais ça, c'est le passé. Nous devrons pouvoir
gérer notre démocratie. Je fais appel donc à la conscience de tous, de tous les militants et militantes et responsables du parti, de diffuser cette information, de se comporter conséquemment pour cultiver la paix tous les jours. Nous savons que les réalisations d'infrastructures, les succès diplomatiques que le président de la République réalise tous les jours ne sont pas le bonheur, ne constituent pas le bonheur de nos adversaires. Camarades, nous devrions prendre conscience de cette réalité. Aussi, je fais appel à la presse. Je fais appel à nos jeunes qui font des communications sur Internet, qu'ils fassent attention, car c'est le monde entier qui nous regarde. Quand il écrit quelque chose aujourd'hui à la minute, c'est le monde entier qui s'informe à travers cet écrit et qui constate ces réalités. Ces violences permanentes, ces écrits ne peuvent qu'effrayer les investisseurs pour venir dans notre pays. Nous devrions avoir un comportement responsable. Les jeunes communicants, j'appelle à leur responsabilité. Ceux qui font des diffusions dans les radios privées, je les appelle, je lance un appel à ceux-là de faire attention, car les langages de bataille ne peuvent qu'enflammer la situation de peur, ne peuvent qu'enflammer la situation de méfiance qui existe entre nous, citoyens. La démocratie, ce n'est pas la guerre. La démocratie, ce n'est pas la violence. La démocratie, c'est un débat d'idées. Malheureusement, ici aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, il y a un autre aspect du problème extrêmement important. Ça, c'est au niveau des militants. Les militants du parti, il faudrait que les militants et les militants du parti fassent un effort pour davantage renforcer la cohésion au sein du parti, au sein des responsables et au sein des militants du parti. À tout moment, on jette l'anathème sur certains pour dire qu'ils ne sont plus sûrs. Ils sont de l'autre côté, ils sont de l'opposition. Je crois que ce comportement n'est pas un comportement responsable. Nous devrons éviter cela. Nous devrons avoir confiance en nos responsables qui, depuis la clandestinité, se battent autour du président, se battent pour réaliser l'idéal du parti. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons porter de l'anathème sur ces gens pour dire qu'ils ne sont pas sûrs et qu'ils travaillent pour l'opposition. Ce comportement doit être banni dans nos rangs. Chers militants et militants du parti, le monde nous regarde. Quand nous avons pris notre indépendance, vous le savez très bien, certains jeunes ne le savent pas, mais les aînés le savent, que l'UTP, le comportement responsable des militants à ce moment, il y aurait eu une guerre en Guinée, une indépendance en Guinée. Le colon a tout fait pour faire des provocations, mais les militants n'ont pas cédé à la provocation. Aujourd'hui, donc, camarades,
Je vous invite. Je sais que c'est difficile. Certains parmi vous ont eu des dégâts dans leur famille, ont eu des victimes. Sachez en tout cas que Dieu existe et que seul le comportement de paix pour un bon musulman peut te conduire au paradis. Je ne vais pas assez m'étendre sur le sujet. Nous avons d'autres camarades, certainement, auxquels je vais donner la parole et qui vont aussi développer ce point important qui aujourd'hui nous obsède et qui constitue notre seule préoccupation. Je vous remercie. I want for la vida calle, vine mantemeo.